Comme ça. Ouais. La bac en action. Petit Brie, Seine, le 28 mars 1856. Monsieur le directeur, permettez à un père de famille désolé de venir implorer votre bienveillante protection afin de modifier les maux qu'un fils ingrat cherche à multiplier contre toute sa famille. C'est lui qui déjà est la cause que j'ai déménagé de Paris pour venir demeurer à la campagne, afin d'éviter la rumeur publique. Aujourd'hui, il cherche de nouveau à m'humilier en me menaçant dans une lettre qu'il m'a écrite en date du 21 de ce mois, en me disant que si je ne lui réponds pas immédiatement, qu'il adressera aux autorités de la commune tout ce qu'il en pense. Et comme depuis sa condamnation, je l'ai rayé de l'arbre généalogique de la famille et pour cause de son exécrable conduite et de tous ses méfaits envers toute la famille et toutes ses connaissances qui n'avaient enfin de lui donner de bons conseils, il veut encore recourir, dis-je, à de nouvelles roueries, pardonnez-moi l'expression, pour nous déshonorer dans notre village. C'est ce qui me force, monsieur le directeur, d'avoir recours à votre autorité pour vous prier de faire défendre la mise à poste de lettres par lui adressées à Petit Brie qui pourrait compromettre ma réputation et mon honneur. Ce faisant, monsieur le directeur, vous obligeriez un vieil officier qui compte 7 compagnes et 5 blessures et de plus qui est âgé de 61 ans, toute sa famille vous en sera gré. Aussi une éternelle reconnaissance. Veuillez agréer, monsieur le directeur, avec mes remerciements d'avance, l'hommage de mon profond respect. Jusqu'à le 4 octobre 1856, monsieur, en réponse à votre lettre du 26 du mois dernier, j'ai l'honneur de vous informer que le nommé boucher Pierre-Félix, libéré du Val de Brest, le 26 août 1856, a été dirigé sur Luchon, département de la Vendée, où il a été autorisé à faire sa résidence. J'ai l'honneur de vous saluer, le commissaire de la marine, etc. Monsieur le maire de la commune d'Elancourt, arrondissement de Rambouillet, Seine-et-Oise. Thank you.
caillou et le plante dans sa poche. Il raconte le puissant miracle. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son visage. Vous avez réussi à garder le but? Ouais, là. Bon, allez, c'est ça, la fin. Et beau jonglage. Ouais, mais je viendrai à 10h. Bon, bah, ok, c'est pas grave. Oui, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure 10h, quoi. Ouais, ouais. 10h. Allez, on y va. Ah non, c'est trop. Ouais. De toute façon, on a lancé en cours. Thank you.
Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Dino, vous allez? Merci. Très bien. Il y a de l'ambiance au lavoir. Allez, danse. C'est Guillaume. Tu transformes l'eau en vin? Non, tu transformes l'eau en bière. En tout cas, ça rigole bien en bas. C'était pour donner du goût.